maintenant, une gestion de nos bandes déchets à Maurice qui est camion sauté, je me prends une canette pour tout, je transporte jusqu'à ma citeuse, que tu peux enterrer et pour rester là pendant 25 ans, 30 ans. Et pareil pour tout déchet, qui est médicaments, pile ou bien produits chimiques. Donc ma citeuse est une vraie bombe à retardement pour le sol et chez tous les favoris, prolifération de l'IRA et les autres insectes nuisibles. Sa méthode d'enfouissement-là, non seulement n'est plus servie dans le pays moderne, mais chez tout, il arrive à saturation. Donc ça coûte là plus de terreau de fer, vertical extension, c'est-à-dire l'enfil à étage, de jusqu'à que ça pour aller. Et surtout, nous pas connu sur l'impact. Finalement, beaucoup d'hésitations de la part du précédent gouvernement, en projet d'incinérateur, etc. Donc, au final, nous, dans le même, nous devons proposer une gestion durable de nos bandes déchets, qui pour favoriser une politique de réduction des bandes déchets qui nous fait produire, qui pour du recyclage et du compostage. Mais tu connais qui m'a chiqueuse, il arrive sur l'état que les papas prennent en compte plus de déchets. Je crois dans les temps pour un an et quelques. Le gouvernement, il finit déjà, commence le travail, loin de projet, waste to energy. Quand nous sommes capables de recycler ça, ben waste, hein, qui est brûlé, etc., pour capable faire l'énergie avec ça. Vous pensez qu'avec ce projet-là, qui d'ailleurs est financé par l'Agence française de développement, qu'on est capable de diminuer en premier temps la bande déchets, mais aussi une gestion plus correcte. Bande de chèvres aussi que ça. Où est-ce que tu es du programme? Mais là, pour mon propre encore, c'est très prochainement, je paye. Il y a une comité technique. Puis travaille là, comment dire, mais ça en place. Le visage honnête, le tri sélectif, il n'y a pas arrange tout du monde. Pour moi, on connaît plus le volume de bande déchets qui peut déposer quand mon chicose est élevé, plus mon opérateur gagne casse. Finalement, un manque de vision globale de bande précédent gouvernement et qu'on prend dans mesure plus mille, pas aussi pas là. Résultat, nous faisons perdre beaucoup de temps. Dans la même, nous avons envie de venir de l'avant avec une stratégie nationale de tri sélectif avec la participation de bande citoyens, mais aussi de bande collectivité locale qui pour équiper avec bande camion dédié au tri. Mais aussi, il ne faudrait pas minimiser l'importance, sensibilise d'un habitant pour qu'ils se sentent concernés pour l'environnement et comprennent qui fait bien créer des bonnes santé et comment bien faire. Ça m'en disait cela, les gens commencent dans la case même. L'éducation est un catalyseur du changement. Mais le recyclage, c'est une option qui nous besoin considérer, définitivement. Et aussi, connaître qui peut faire, parce que là, qui nous fait avec bande déchets? Donc, est-ce qu'il y a une extension? Malheureusement, pas capable de faire extension horizontale, c'est vraiment une extension verticale, en hauteur, plus qu'en largeur, à cause de place. Donc, c'est tout un gros travail qui vous a assisé, analysé, pour qu'il bande la salle à manger bien. Mais moi, plus loin que ça, le gouvernement, il fait une annonce au programme, ce manifeste électoral, concernant l'environnement. Et une des bonnes mesures dans sa manifeste électorale là, c'est comment nous pouvons gérer une campagne de nettoyage et surtout gestion des déchets. Il y a plusieurs nouveaux filières de déchets, comme des déchets industriels, déchets d'équipements électriques et électroniques, qui sont pas capables à le manger. Donc, une compagnie qui recycle sa bande d'équipements là aujourd'hui, c'est BEM Recycling, et il y a une coupe aux autres. Donc, on vient payer pour capable déposer le bande d'équipements là-bas, quand il n'est plus servi. C'est à cause de ça aujourd'hui qu'il vous peut trouver micro-ondes, frigidaires dans tous nos bandes de rivière. Et il y a aussi la filière du compostage, parce qu'on connaît 65% de bande déchets liés organiques et biodégradables. Nous capables de servir pour enrichir nous la terre et préserver nos bandes sols, puis premier maillon dans la chaîne alimentaire. Si nous sommes contaminés, toute la chaîne alimentaire pour contaminer, nous pouvons tout qualité maladie. Mais au final, nous devons aller plus loin que ça. Nous devons produire 1375 tonnes de déchets par jour. Pour une nouvelle filière de déchets, nous devons être comment capable de réduire la quantité de déchets qui nous peut produire. Donc, le problème là, il est systémique. Est-ce qu'il vise à consommer tout ça là? Qui peut produire? Comment peut produire la vie? Nous devons regretter nos responsabilités par rapport à nos manières de consommer. Aujourd'hui, nous finissons arriver à un stade critique au niveau environnemental. Et que nous devons viser une politique européenne, sinon on vit, sauve-nous la planète et que l'avenir nous bande enfants. Les gestions de déchets, il y a trois affaires importantes. Numéro un, c'est qui, comment faire des déchets plastiques. Le gouvernement peut mettre en place un mécanisme de gestion de déchets plastiques pour qu'il nous assure qu'il la collecte, le tri, le recyclage du plastique, les faire d'une façon correcte. Et tout ça là, nous pouvons faire d'une période transitoire. Qui fait parce qu'éventuellement,
ne pour éliminer complètement l'utilisation du plastique d'ici 20 ans. Deuxièmement, nous pouvons implémenter un projet d'incinération des déchets médicaux pour qu'ils ne soient pas capables d'assurer une meilleure gestion des produits toxiques. Troisièmement, venant implémentation une politique de collecte et de tri pour une meilleure gestion des déchets. Comme on veut dire, déchets, la mauvaise cause, tout les déchets organiques, textiles, plaquiers, électriques, métaux verts, etc.